d'autant plus que c'était un petit blanc, pas piqué des vers. Et les vers, ça se pique pas, ça se siffle. D'autant plus que c'était un gros plan. Oh, pardon. Et vous avez de la chance, j'ai serré les dents devant, parce que les dents du fond, elles sont toutes à marée haute. Oh là, il y a de la houle. Alors après, on est passé au rouge. Ah non, je parle du vin. Oui, parce que c'est quand t'es arrivé la choucroute garnie. On a bu un Gewürz Straminer. C'est ça. Et c'est pas du rouge, c'est du blanc. Ah bah alors c'est pour ça qu'on a bu 3 bouteilles à 2 sans s'en apercevoir. Non, se méfiez pas, on comptait sur la choucroute pour éponger les dégâts. Elle est au Riesling. Là où j'ai compris que j'étais sur la mauvaise pente, c'est quand le poulet est arrivé. Ah non, 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 non. Non, pas. Non, non, le... Oui, parce que... Non, c'était un poulet de Bresse. Vous êtes d'où, vous? De Brest. Ah oui, non, c'est pas pareil. Parce que Brest, c'est... Alors que Brest... Bref. Après, on a bu un Chambolle-Musigny à tomber par terre. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Bernard, c'est le président du club. On a cherché la bouteille de prune pour le trou normand. Oh, une petite prune blanche. Ça, il n'a jamais vu le feu. Le genre d'alcool qui fait pas mal, vous savez. Vous buvez cul sec et hop, ça s'évapore. Heureusement, parce qu'à ce moment-là, on m'a appelé au téléphone pour une urgence. Parce que je travaille à l'hôpital. Et j'y serais déjà arrivé, hein, si Bernard n'avait pas insisté lourdement pour nous faire goûter l'ouzo qu'il avait rapporté de ses vacances en Grèce. Alors maintenant, vous comprendrez plus aisément pourquoi je dis cela entre les pointiers. Bon, alors maintenant, vous allez souffler dans le ballon. Pourquoi? Vous me croyez pas?